Salut tout le monde, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, en pleine forme, après avoir affronté beaucoup de truands, pour le coup c'était pas évident, mais on a continué à avancer dans ce foutu bidonville, et il me manque une pièce de fusil à pompe, juste une. Oh, attendez, oui, 4 pièces sur 3 d'un fusil. Modification disponible, trouver un feu de camp. Mais oui. Et on va aller directement au feu de camp. Oh. Bêche les sangliers. Et le feu de camp est là-bas. Oh, ça c'est bon ça. Allez, on va améliorer tout ça. Fusil d'assaut, échange d'armes fusil simple contre fusil d'assaut. Ok. C'est bien ça. Et on peut améliorer un équipement. Donc c'est devenu un fusil d'assaut. Un AK-47 carrément. Oh là là. L'AK-47, ça a été créé en quelle année déjà? 1945, je crois, si je ne me trompe pas. Ça facilite le maniement de l'arme et permet ainsi d'augmenter les dégâts. D'accord. Le capétonnage de la crosse et de la poignée permettent d'améliorer la stabilité de l'arme. On va faire comme ça. Et voilà. C'est parfait tout ça. Donc maintenant... Oh yeah. Ça promet. Allez. Maintenant, notre but, c'est d'aller... c'est d'aller ouvrir la porte, donc il faut trouver un moyen, lequel je ne sais pas encore. C'est justement ça l'intérêt, c'est qu'il va falloir trouver. Hop là, décidément je fais bien de vérifier un petit peu partout, parce que alors qu'est-ce qu'elle est trop forte, cette Lara. Je suis de plus en plus admiratif. Alors. Ouais, là, je me suis mal réceptionné. Alors, hop. Donc, la porte ici est fermée. Alors, est-ce qu'il n'existerait pas un moyen de l'ouvrir? Ah. Ça, bizarrement, on pourrait le brûler. Ah, attendez. Alors, attendez, est-ce qu'on peut pas monter là-dessus? Ah non, mince, je me trompe. C'est bloqué. Il faudrait que je brûle ça, mais je ne sais pas comment faire. Ah bah si, attendez, tout simplement. Et voilà, voilà. Non, non, vous étonnez pas, hein. C'est juste que ça fait 20 ans que je joue aux jeux vidéo, ça fait 20 ans que je suis capable donc d'observer mon milieu et de m'adapter, en toutes circonstances. En avant. Bon, là, on est encore dans le bidonville, là, par contre. Ah, décidément. Voilà, on se pose ici, comme ça, je pense que ce sera un bon checkpoint. C'est bien de se dire qu'est-ce qui se passe, mais si tu tournes le dos aussi, ça va pas aller. Hein. Je suis une mauvaise langue, pardon Lara. Pardon. Alors je pense qu'il vaut mieux éviter d'aller par là. Parce que si je tombe, je vais tout de suite attirer du monde. Le problème, c'est que je ne vois personne, donc je crains le pire. Ça va attirer personne de faire du bruit comme ça.
Apparemment non. Je vois. Bon, alors, la confrérie donc doit s'agrandir, mais ne comptez pas sur moi pour faire partie de votre confrérie. On va partir par là. Ah, ça va, il sait se défendre. C'est le capitaine. Allez. Lara, ramène tes fesses par ici. Liquidez-la. Étrangère, abandonne. Pas question, salopard. Oh là là. Ça me tue en un coup, ces trucs-là ? La dynamite me tue en un coup. Ok, chouette. Oh là là, j'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit avec ça. Ah, 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 ah.
Allez, hop là. Si on peut dire. Où sont les autres? Ils sont enfermés à l'intérieur. Mais chez où? Monte ici et on ira les chercher ensemble. Je ne peux pas grimper d'ici. Ah, bordel. Attends, ils utilisent une espèce de système pour hisser des objets. Tu peux peut-être t'en servir toi aussi pour passer de l'autre côté. D'accord. Je vais essayer. Eh ben, ça promet. Alors eux, je les ai fouillés. J'adore tirer à bout portant avec ma flèche. C'est vicieux, mais j'adore. Ok. Bon, on est reparti. Ce qui était bien, c'est que je n'avais pas accès à cette zone-là. Donc ça, c'est bon. Il n'y a pas de caisse, des trucs intéressants. Si. Donc c'était ce truc-là pour lancer l'alarme, ok. Allez, je sens qu'il va y avoir beaucoup de trucs là, mais vraiment beaucoup. Hop là. Alors. Très joli, mais surtout ne pas regarder en bas. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Je voulais pas vous enflammer comme ça. Je vous jure. Oh. Mais, dis donc. Ah. Non, mais. C'est qui vise bien, hein, ces petits salauds, là. Hein? Ah, mon salaud. Allez. Alors, d'où est-ce qu'il me tire, le gars? Ah, je le vois. Oups. Ok, that's good. Alors on va fouiller à la recherche d'éventuelles munitions. Ok, c'est bon de ce côté-là. On saute. Alors, à mon avis, les pales du... Voilà, vous faites massacrer, c'était effectivement le mot. Mais vous inquiétez pas. Vous irez peut-être au purgatoire avant d'aller en enfer. Ou alors il va falloir vraiment vous repentir, les enfants, si vous voulez espérer aller au paradis.
Je suppose qu'il faut monter comme ça. Ouais. Ok. Bon, dans ces cas-là, on va pas y aller tout de suite. Je vais d'abord visiter un petit peu. J'ai des choses à voir avant tout ça. Oh. Hop là. Donc il y a pas mal de choses là. Oh là là. Ah, il y a énormément de choses en fait ici. Hein. Excusez-moi, un petit peu de lumière, ça nous fera pas de mal. Alors, on va visiter. Un géocache. Ah bah là, on est revenu au point de départ. Dire que sinon, je serais monté sur les caisses, je serais descendu directement et j'aurais loupé tout ça. Oh là là. Mais que fais-je donc? Heureusement que j'ai envie d'explorer. Ok. Ça j'ai peut-être pas tombé dans les cuves par contre. C'est dangereux. Oh 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 oh, pas de bêtises. Ah. Je sais pas trop ce que c'est ça. Un vieux satellite, un vieux une vieille antenne. Non c'est. Et c'est pas grave. Parce que moi j'ai envie d'aller visiter un petit peu ce qui se passe. Regardez, sinon je prenais les caisses et je descendais directement en bas, ça aurait été stupide. Voilà, alors que là on peut visiter un petit peu et profiter. Là c'était donc les sirènes. Hmm. Oui, sans doute, mais comment on fait là? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois procéder? Ou alors il faut que je brûle tout ça? Allez. Non, ça ne veut pas brûler. Surbrillance, qu'est-ce que je suis censé faire avec? Quoique. En fait, je vois pas trop l'intérêt d'aller par là. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, on va descendre. On va descendre. Hop là. Ok. Voilà. Et là, je vais me faire attaquer. Attention. Rim, tu es là? Ah. Oh non. Oh non, je le sens mal. Ok. Alors. Oh, comment je l'ai. Viens mon gars, amène-toi. Excuse-moi, excuse-moi, rien de personnel, mais je joue pour ma survie.
Attendez. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a là. Pistolero, me gusta. Et ben voilà. Pas compliqué, faut tout simplement lui tirer dessus. Oh là, oh là, oh là, il y en a encore. Aou, aou. Oh là. Là, où est-ce que t'es, mon gars? Oh là! Là, c'est bien compliqué, là. Je me fais tirer de tous les côtés, là. Je sais pas trop comment faire. Il n'y a pas de halette qui tient. Enfant de Juron. C'est bon? Eh ben c'est nickel. Lâche tes armes ou on tue ton ami. Les écoute pas, Lara. Ok, ok. Tu me fais okay. Peur. J'ai grandi à Glasgow, moi. Allez, liquidez-moi tout ça! Payeront pour ça. Le palais. Je dois rejoindre le palais. Oh, je suis trop déçu. J'osais espérer qu'il survive. Bah non. Oh, je suis trop déçu. De toute façon, à mon avis, les concepteurs, ils sont tellement pas gentils avec Lara qu'ils vont pas lui faire cette fleur. Bon, par contre, comment on fait pour rejoindre l'autre côté? Excusez-moi, j'ai mon petit moment de déprime, là. Je vais m'en remettre, vous inquiétez pas. Bon, alors, comment on fait pour rejoindre l'autre côté? Oh là là. Bande de salgots. C'est tout ce que vous avez trouvé, en fait, pour me faire plier. Je déteste les lâches dans votre genre. Une bonne concentration de cadavres, j'aime bien. Alors, on va visiter rapidement les lieux, s'il n'y a pas une petite boîte ou quelque chose comme ça. Non, niente. Allez, on prend l'échelle. C'est par là. Et on se dirige directement vers le temple. Allez-y, coupez la corde. Je m'en occupe. Oh purée. Je te couvre
Lara, tu peux grimper maintenant. Un sniper? À me rendre, mais il a préféré se sacrifier. Grim, foutue tête de bulle. Je suis désolée, Ross. Non, ce n'est pas de ta faute. On ne l'oubliera pas. On trinquera à sa mémoire dès qu'on sera rentré chez nous. Je vais essayer de me rapprocher. Tu crois que tu pourras me couvrir ? J'ai une vue dégagée sur tout le pont jusqu'au mur du palais. Ok. Elle dit très souvent ok, cette chère Lara. Ici hélicoptère de sauvetage November 888 Romeo Charlie, répondant au SOS émis par l'avion cargo Trinity. Ici Conrad Ross, de l'Endurance. Vous me recevez ? Lara, t'as entendu ça ? Un hélicoptère de sauvetage est en route. C'est génial, Ross. Envoie un signal. Je vais chercher Sam et les autres. Mais Lara, je devrais peut-être... Ce n'est pas comme pour le pilote, Ross. Sam et les autres sont là par ma faute. Je vais les chercher. Allez, on se pose. On a un petit point de compétence à dépenser. Chasseur. Costaud. Votre force accrue vous permet de transporter un maximum de munitions. Éliminez vos ennemis en toute discrétion pour obtenir une récompense plus importante. J'ai envie de prendre celle-là. Donc on peut prendre plus de munitions. C'est bon ça. Voilà, et ben on va s'arrêter ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu les enfants. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Tomb Raider. Donc d'ici là, et bien portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.